Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer comment bien faire la méthode du bol. Donc la méthode du bol, si tu ne connais pas, c'est une méthode pour aider les boucles qui ont du mal à se définir, à avoir beaucoup de rebonds et avoir beaucoup de ressorts. Donc pour la méthode du bol, c'est assez simple, il va te falloir un bol. Est-ce que j'ai acheté un bol transparent, rien que pour vous, pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur du bol? La réponse est oui. Prenez votre bol en plastique basique, ne vous encombrez pas d'un bol en verre transparent comme moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Vos produits coiffants, lavant, masque après shampoing habituels. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits que je vais utiliser puisqu'ils sont adaptés à mes cheveux et il y a de fortes chances que ces produits-là ne soient pas adaptés à tous les cheveux. Je vous renvoie au concept de porosité dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ensuite, il va vous falloir une serviette absorbante, soit en bambou, soit un vieux t-shirt en coton. Bref, une serviette voilà, absorbante. Une pince si tu as des gros cheveux comme moi. Et ce que tu ne vois pas là, donc un sèche-cheveux avec un diffuseur de préférence, même si c'est totalement possible de se sécher les cheveux sans saleur. En sachant qu'il existe plusieurs méthodes, je vous ai fait un récap sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker selon votre porosité, parce que pareil, la méthode du bol, celle que je vais faire ne sera pas adaptée à celle qui a des cheveux fins un peu poreux et celle qui a, on va dire, une porosité moyenne. La méthode du bol est adaptée en fonction de chacune et chacun. Les mecs peuvent utiliser ça aussi. Bref. Pour la vidéo, je vais du coup essayer de vous faire le moins de cuts possible pour que vous voyez le process en temps et en heure. Malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu trop long, vous n'allez pas rester avec moi voilà, pendant tout ce temps. Donc je vais mettre le process en accéléré. Si c'est pas clair, les commentaires sont là, j'y répondrai. Mais grosso modo, pour que vous puissiez voir le process proprement. Donc c'est parti, moi je vais commencer à me laver les cheveux. Ah oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que vous pouvez très bien faire cette méthode debout dans votre douche. Vous n'êtes pas obligé d'être bend over votre baignoire comme ça, comme ce que je vais faire. C'est juste que bon, voilà, l'idée de me montrer à poil dans ma douche ne me sied pas, donc je vais me casser le dos pour vous aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez très bien faire cette méthode agenouillée dans votre baignoire, assise dans votre baignoire, debout dans votre douche, du moment que vous avez un petit endroit pour poser votre bol. Là du coup en termes de routine c'est plutôt simple, je vais faire deux shampoings, un shampoing clarifiant et un shampoing beaucoup plus doux qui va me servir à laver les longueurs puisqu'en fait avec la méthode du bol il faut penser à laver vos longueurs puisque en fait l'après-shampoing même s'il contient certains quads qui sont lavants et ben ça va pas comme vous gardez l'eau de rinçage, bien c'est pour ça qu'il vaut mieux faire deux shampoings et utiliser un shampoing très hydratant comme le Sunshine Clean si vous avez une porosité forte pour ne pas dessécher vos longueurs et avoir des longueurs vraiment toutes propres. Ensuite j'utilise cette petite brosse pour stimuler la pousse et bien nettoyer mon cœur chevelu. Comme tu le vois, voilà, je rince bien, je savonne bien mes longueurs pour que mes cheveux soient vraiment propres et que l'eau du bol soit propre. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Ensuite, je viens appliquer un masque, à savoir le Repair Time de Les Secrets de Loli, qui démêle extrêmement bien. Et je vais venir démêler mes cheveux par section. Alors moi, il faut savoir que je déteste faire 100% du démêlage sur cheveux mouillés parce que bah, ça me prend beaucoup de temps. J'ai les cheveux mouillés, je suis trempée de partout. Bref, moi, je préfère faire ce qu'on appelle des pré-poux. D'ailleurs, je t'en montre un sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à aller voir. Je te montrerai comment je fais pour me démêler les cheveux sans couette et assez rapidement et sans y passer 3 heures parce que là, j'y ai bien passé à peu près 10-12 minutes à me démêler les cheveux en sachant que c'est un masque qui contient un couette et qui démêle extrêmement bien et que j'avais en plus de ça les cheveux pas extrêmement mêlés de base. Donc voilà. Donc tu peux faire cette méthode soit avec un après-shampoing, soit avec un masque, soit avec tes produits coiffants si tu as une porosité faible. Je te rappelle d'aller voir sur Instagram pour aller voir la méthode exacte. Une fois que tu es arrivé là, que tes cheveux sont parfaitement démêlés, saturés, d'après shampoing ou non, toujours hein, selon ta porosité. Je suis désolée, là, je ressemble un peu à un cocker, c'est compliqué pour te parler dans les yeux. Ah oh, putain, tous ces poils, enfin ces cheveux. Une fois que t'es arrivé là, donc pour les porosités moyennes à forte, sinon les porosités faibles, moi je vous conseille de faire ça en fait avec votre leave-in. À partir de ce moment-là, là vous êtes avec votre leave-in pour les porosités faibles. Pour les porosités moyennes à forte, vous êtes avec votre après shampoing ou votre masque. Là j'ai décidé de tenter avec le masque. Hein. Si ça rend bien ou pas, parce que mes cheveux avaient vraiment besoin de soins, parce que en ce moment, je les néglige à mort, je ne fais que les tresser, ils m'emmerdent, voilà, j'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux, ça arrive, voilà, ça arrive, même en tant que youtubeuse de cheveux, de ne pas vouloir s'occuper de ses cheveux. Bref, donc évidemment, la luminosité baisse quand je commence à vouloir
c'est mes cheveux, bref. Donc, imaginons, vous avez votre bol, vous avez mis votre produit coiffant ou masque sur vos cheveux. Vous allez basculer la tête en avant. Vous pouvez commencer à rincer un petit peu peut-être le début du produit, si vous avez une porosité plutôt faible. Si vous avez une porosité très forte, rincez tout directement dans le bol, ne vous enquiquinez pas. Donc là, j'avoue, le setup est extrêmement délicat. C'est très compliqué de filmer ça toute seule, hein. Je suis navrée, mais j'espère néanmoins que ça va vous aider. Bref, donc vous mettez tous vos cheveux ainsi, vous voyez, oui vous voyez, hein. Et donc moi je vais repasser un petit coup de brosse pour les mettre dans leur position, on va dire finale, parce que ça va donner beaucoup de volume. Donc comme ils sont saturés de masque là, ça se définit bien, hop. Et donc voilà, donc vous venez bien brosser pour commencer à définir les boucles et à les clumper entre elles. Alors je suis désolée, je vais faire plein d'anglicismes. Je sais que ça agace beaucoup de personnes. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez que les boucles se recoupent entre elles, mais que malgré tout, moi ça ne fait pas des grosses sections de cheveux. En fait, j'ai plein de petites sections de cheveux. Et du coup, moi, si j'ai plein de sections de petits cheveux, ça va me faire plein de frisottis. Moi, mon but, c'est d'avoir des grosses sections de cheveux. Donc, je viens bien démêler et bien lisser la fibre capillaire avec ma petite brosse que vous retrouverez dans la description parce que celle-ci, elle est vraiment très bien et elle démêle très bien. Hop, voilà. Voilà. Et donc là, on est sur ça. Vous voyez que forcément, j'ai détendu mes cheveux. Vous voyez quand même que j'ai une texture qui se définit. Donc, je vais venir rincer. Donc, on se retrouve avec ça. Donc, si l'eau est un peu orange, c'est normal. C'est parce que j'ai fait un henné il n'y a pas très longtemps. Donc là, l'intérêt, ça va être de replonger tes cheveux. Et là, je ne sais pas si tu vois, là, comme j'ai rincé, tu vois que mes cheveux ont commencé à se rassembler. Je ne sais pas si tu vois. Bref. On plonge. Tu peux plonger le crâne si tu as envie. Surtout si c'est des produits coiffants, si c'est un masque, peut-être pas. Hop, tu fais plusieurs fois. Tu essaies d'en mettre partout. Évidemment, la méthode du bol, tu peux aussi le faire sur le côté, hein, comme ça. Ensuite, tu relèves. Moi, je viens passer légèrement les doigts, comme ça. Hop. J'enlève en plus un peu des cheveux morts. Et là, je viens scruncher de façon délicate pour enlever l'excès d'eau. Et là, je ne sais pas si tu vois, ma texture a déjà commencé à changer, à avoir un petit peu plus de ressort. Donc, moi, je vais recommencer l'étape. Je sais pas, 3, 4, 5 fois, jusqu'à ce que je sois satisfaite finalement de la tête qu'ont mes boucles. Donc ça va dépendre toujours de chacun. Donc je recommence. Je repasse vite fait les doigts. Donc normalement, je fais ça beaucoup plus vite. Et on voit que la texture commence doucement à se définir. Et pourquoi on aime autant la méthode du bol? À part démêler et en fait scruncher dans un bol et remonter, re-scruncher, t'as besoin de rien. Et en fait, quand t'as des cheveux très longs, qui mettent du temps en fait à se définir et qui ont du mal à avoir de la définition, c'est une méthode qui est très très simple à mettre en place. Donc je vais recontinuer. J'ai l'impression comme ça que c'est une technique qui prend du temps. En réalité, pas vraiment. C'est juste que là, je prends beaucoup de temps pour vous expliquer. En vrai, c'est beaucoup beaucoup plus simple. Et surtout, ça vous fait gagner un temps de ces phases incroyables. Donc, me voici satisfaite avec mes cheveux. Donc, maintenant, on va passer à l'étape du plopping. En fonction de votre porosité, le plopping ne se fait pas au même moment. Mais ça sert à quoi? Ça sert vraiment, en fait, à absorber l'excédent d'eau là que tu as dans tes cheveux, parce que là, tu as encore les cheveux quand même très, très mouillés. Et ça va aussi aider à donner du rebond à la boucle, parce que la boucle, du coup, va, en quelque sorte, se figer dans la serviette. Et ça va permettre de les essorer sans les abîmer, tout en définissant les boucles, donc c'est cool. Donc tu prends ta serviette, tu la poses sur une surface plane, tu déposes doucement tes cheveux, comme ça vient, ça, tu rabats, et moi je fais comme ça,
Hop. Que tes cheveux sont à peu près à plat sur ton crâne. Donc pareil, hein, c'est un peu la méthode D, comme disait ma mère. Démerde-toi comme tu peux. Tu viens attacher comme tu peux. Donc le plopping, c'est quand même plus simple avec un t-shirt. Parce que en fait, avec les bras du t-shirt, tu peux facilement attacher les cheveux. Donc là, voilà, je vais laisser la serviette absorber. Donc plus t'auras les cheveux, plus ça sera important de prendre une super serviette absorbante. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir, ça va. Tu vas galérer pour le séchage. Bref, je te retrouve dans 5 minutes, le temps de ranger tout ce... Bon, la luminosité s'est encore plus dégradée. Bref, ça fait 5 minutes, voilà, à peu près que j'ai mon plopping. Il est l'heure, du coup, de l'enlever. Donc, à partir de ce moment-là, si... Bon, je pense que tu vois que ça a l'air d'être trempé. Oula. Pas du tout ce qu'il fallait faire. Bref. Donc, là, on est là. Mes cheveux sont encore bien, bien, bien humides. Oh là là, la lumière. Mon Dieu. Pas du tout pertinent là pour cette vidéo. On remercie chaleureusement la Bretagne. Je vais venir reprendre ma serviette et absorber tout ce que je peux en scrunchant délicatement mais fermement. Bon, j'espère que ça va aller. Donc on est sur ça. Je sais pas, franchement, on est plutôt pas mal. Donc là, il y a du frisottis. C'est tout. Enfin, là, c'est normal, tu vois, qu'il y ait du frisottis à cette étape-là. C'est pas très grave parce qu'il va venir être rattrapé par les produits coiffants qu'on va mettre. Donc je vais venir prendre mon leave-in fave de tous les temps et je vais en mettre en fait beaucoup moins que d'habitude, ce qui est donc ça, ce qui n'est pas beaucoup, hein, d'habitude j'en mets 4 fois plus. Donc je vais venir, voilà, bien chauffer parce que c'est important de le chauffer, le pur nectar dans les mains. Et je vais venir le répartir très délicatement comme ça sur mes cheveux à l'aide... Voilà, je rescrunch un peu et maintenant on passe à l'étape du gel. Donc vous pouvez utiliser un gel fini, du gel de lin, de l'eau et du sucre comme faisait ma Nicolette. Et là, vous y allez sur la dose. Et plus vous aurez une grosse dose de gel, plus vous aurez un effet carton, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que vos boucles vont vraiment durer dans le temps et d'autant plus si vous avez une grosse texture. Donc là, j'ai été très très généreuse. Et je vais venir essayer de le répartir comme je peux. Parce que vous doutez bien, j'ai beaucoup de cheveux. La répartition, c'est parfois un jeu compliqué. Oula. Et là, je vais utiliser la méthode du prayer hand, c'est-à-dire les mains en prière, pour délicatement répartir les produits. Et je vais faire un peu. Voilà, on est donc sur une texture comme ça. Maintenant, c'est l'heure de sécher les cheveux. Pourquoi je ne vous conseille pas de laisser vos cheveux à l'air libre? Tout simplement parce que votre cheveu, là ce que vous faites c'est un petit peu comme une mise en pli. Si vous le séchez dans la forme que vous souhaitez, il va garder, on va dire, cette forme plus longtemps. Maintenant, moi j'ai les cheveux très longs, les racines se détendent très vite et si je veux avoir du volume et de la boucle, il faut obligatoirement que je les sèche. Et en plus, comme c'est la tempête dehors, on ne va pas s'en sortir niveau humidité. Donc je vais sécher. Ce que vous me demandez beaucoup, c'est comment je mets mes cheveux dans ce petit casque chauffant qui limite les frisottis. Ça fait 6 mois que je vous en parle, ce truc c'est révolutionnaire pour moi. À condition que vous ayez un sèche-cheveux qui sèche. Parce que si votre sèche-cheveux n'a pas assez de puissance, c'est comme souffler dedans, ça ne séchera pas vos cheveux. Donc, je vous montre comment je mets mes boucles dedans parce que c'est une question qui revient très souvent. Donc vous l'ouvrez bien grand avec le petit... Tizigoui là, vous ouvrez ça bien grand et vous plongez la tête la première dedans comme si vous vouliez faire un plongeon à la piscine, hein, grosso modo. Hop, on rassemble les cheveux et on plonge comme si on voulait faire un plongeon. Ensuite, une fois qu'on est dedans, on remonte et on serre avec le petit truc, on réajuste, on remonte. Voilà, on serre comme si sa vie en dépendait. Ensuite, pouf, on dépose sur le haut du crâne. On se munit de son sèche-cheveux favori. On le met dedans. Et là, je vais alterner, c'est simple, entre air chaud, 30 secondes, et air moyen pendant 5 minutes. Et je vais rester à peu près comme ça 10 minutes. Ça fait, je sais pas, peut-être 7 minutes. Hop. Voilà, au bout de 7 minutes, ce que ça donne de cloche, donc c'est pas encore sec.
Là, je vais venir du coup prendre mon diffuseur pour aider du coup à sécher les mèches un peu plus grosses parce que j'ai un truc de prévu pour cet après-midi, il faut absolument que mes cheveux soient secs. Donc, je vais venir prendre une petite mèche comme ça. Pour diffuser en évitant les frisottis, l'astuce en fait c'est de prendre une mèche adéquate de cheveux et de diffuser suffisamment longtemps en fait sans bouger. Ça va donner du ressort à la boucle sans pour autant créer de frisottis. Vraiment, il faut prendre son temps, vous restez 2 minutes à peu près comme ça, vous alternez air très chaud, moyen chaud et froid pour finir. Et comme ça, ça va bien fixer votre boucle en limitant les frisottis au maximum. Oui. Oh putain! Faut attendre à coucher! Coucher! Pas bouger! Bon, maintenant, une fois que j'ai reséché un peu plus mes cheveux en profondeur, je vais venir les remettre une deuxième fois dans la cloche. Tout simplement bah, parce que, en fait, passer 5 minutes comme ça à les diffuser sans bouger, ça me fait gagner aussi beaucoup de temps de cloche et donc forcément d'économie d'énergie, n'est-ce pas Mireille? Donc, dans la cloche, normalement, vous avez quand même des petits trucs au niveau du menton. Wakanda, s'il te plaît, ne fais pas tomber cet appareil photo, nom d'une pipe, sors d'ici! Vous avez quand même ça que vous pouvez attacher sous le menton. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, voilà, retuto. Si tu cherches le lien de ce petit objet, il est du coup dans la barre d'infos. Et vraiment, pour moi, c'est game changer. Ça fait officiellement 14 minutes et 38 secondes que je sèche. Donc là, on est sur des cheveux secs, allez, 90%, il ne reste pas grand-chose à sécher. C'est pas du tout leur forme finale, mais comme vous pouvez peut-être le voir, on est en lumière naturelle. On a du coup une très belle définition qui va se fluffer en fait là, du coup, dans les jours à venir. Et qui va être un petit peu plus défini. Là, on est vraiment sur encore un petit peu de crunch. Hein. On voit que les boucles bougent pas trop, il n'y a pas trop de mouvement. C'est normal, c'est parce que j'ai mis beaucoup de gel. Après, voilà, moi ça me dérange pas, je manipule beaucoup mes cheveux. Vous voyez qu'il y a quand même très très peu de frisottis par rapport à l'effort fourni, par rapport à la quantité de produits utilisés. Surtout ça, c'est très économique en termes de quantité de produits, et bah, surtout on a voilà, la définition, ça fait propre, et surtout que moi bah, j'ai naturellement pas une bonne définition du fait que mes cheveux bah, soient très longs. N'hésitez surtout pas à attacher vos cheveux avec des grandes pinces comme ça, plutôt qu'avec des chouchous, ça évite de trop plaquer les boucles, et voilà, moi je les attache un peu n'importe comment pour donner de l'aération et que toutes les couches du cheveu sèchent, bref. Ça fait à peu près une heure et quart que... voilà, on en est là, sauf que là, le problème, c'est que je dois sortir mes chiens et que je vis donc en Bretagne et que le temps est extrêmement menaçant. Donc, petite astuce, le turban en soie, donc ça c'est un turban qui vient de la marque Contokoa, que j'avais fait en co-création, et qui est en fait avec des fils de fer. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a d'autres modèles, parce que c'était des turbans en édition limitée, et vous m'avez demandé aussi comment je fais pour mettre mon turban. Alors, idéalement, il vous faut un chouchou que je n'ai pas. On peut vraiment faire un turban beaucoup plus joli que ce que je viens de faire. C'est juste que là, j'ai fait aucun effort. Mais quand je dis aucun effort, j'ai fait aucun effort. Voilà, on va juste sortir les chiens. Heureux, donc là, mes cheveux sont vraiment 99% sec, donc voici ce que ça donne, je vais mettre de dos pour que vous puissiez bien voir. Donc on est vraiment sur un beau volume, une très belle définition, rien à redire. De dos, voici ce que ça donne. Clairement, je n'ai pas ce genre de résultat avec une routine avec des finger coils qui prend du temps, qui utilise beaucoup de produits, qui met encore plus de temps à sécher. Je n'ai pas ce genre de résultat là. Donc vraiment, moi la méthode du bol, c'est vraiment game changer, c'est vraiment un truc à tester. Surtout que ça ne demande rien à part un bol, enfin un saladier, et vraiment c'est assez incroyable. C'est vraiment très beau. En plus je viens de passer une après-midi incroyable à faire un podcast avec une personne avec qui je n'aurais jamais pensé pouvoir converser un jour
temps, ça fait des années que je la suis et que j'imaginais même pas qu'elle suivait mon contenu régulièrement. Bref, les réseaux sociaux, c'est fou. On a passé juste 2 heures à discuter non-stop. Vous n'aurez qu'une heure et demie sur les 2 heures parce que ça fait... On a J+3, donc hier j'ai été courir, j'ai été faire du sport. Bref, j'ai fait plein de trucs. Et donc voilà, le résultat, à J+3, j'ai juste remis du gel à J... Bah, le soir de la routine, c'est tout. J'en ai juste remis avant de dormir et c'est tout. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça très très bien, en sachant que voilà, hein, j'ai fait du sport, j'ai fait des handstands, j'ai été courir, je les ai attachés. J'ai même pas dormi avec un foulard cette nuit, juste sur ma taie en soie, c'est tout. Donc voilà, on a un beau volume, on a encore une belle définition. Les racines, elles sont un peu raplapla, mais ça va. Attends, je suis grave blanche, il y a un soleil de fou dehors. Du coup, je me transforme en fantôme, mais c'est pas grave, on voit bien mes cheveux. Voilà, J3, ce que ça donne, je vous reprends demain. Alors, on se retrouve, on est à J+5. Voilà ce que ça donne, sans aucune retouche. Alors, on n'est pas en lumière totalement naturelle. Là, il est 18h30, le jour a commencé à tomber, donc j'ai un tout petit panneau lumineux sur le côté, voilà. Globalement, bon, franchement, on est pas mal sur ce que ça donne à J+5, en sachant que j'ai fait du sport, j'ai été courir, j'ai fait de la muscu. Donc, mes cheveux vivent, mes cheveux survivent. Il commence à y avoir un peu de nœuds, il commence à y avoir du frisottis, mais j'ai envie de dire J+5, c'est normal. Donc là, vous voyez, là, il y a quand même la bourre qui s'est formée, mais honnêtement, relativement peu par rapport à d'habitude. Et au niveau du coup de la retouche, je ne vais pas faire de retouche ce soir, parce que là, je vais faire mon sport juste après, donc ça sert à rien. Donc je ferai la retouche demain, je pense que on le fera ensemble. Donc aujourd'hui on est à J+7, il se trouve que la vidéo, j'ai quasiment terminé le montage, en fait elle est déjà super longue, donc la FAQ je vous la ferai du coup dans une autre vidéo YouTube, comme ça ce sera plus simple pour vous y retrouver. Et voici ce que donnent mes cheveux à J+8, pardon, même de la méthode du bol, puisque ça fait pile une semaine que je ne me suis pas lavé les cheveux. Alors je suis désolée, la lumière est vraiment chaotique parce qu'il fait vraiment très sombre aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Après là, je me suis pas du tout occupée de mes cheveux et je les ai pas du tout rafraîchis. Donc là je vais vous faire un pré-pou. Je vais vous montrer comment je fais pour m'occuper quand mes cheveux en fait sont comme ça extrêmement mêlés, où il y a de la bourre en fait dès la racine. Là, je pense que vous voyez bien la bourre là. Bon, en même temps ça fait 2 ou 3 jours que je les porte dans un bun sans m'en occuper. Donc bon, hein, forcément ça n'est pas. Mais je vais vous montrer voilà sur Instagram comment je fais pour démêler tout ça sans cut. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Je vais vous montrer comment faire un pré-pou, démêler vos cheveux sans casser et surtout pour celles que ça intéresse, sans quat. Voilà, donc rejoignez-moi sur Insta. Je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense que vous avez compris la méthode du bol et que vous voyez bah, du coup le résultat sur une semaine. Voilà ce que ça donne. Donc là moi je trouve que mes cheveux sont pas forcément portables parce qu'ils sont un peu trop abîmés, surtout que je les ai pas retouchés et il y a vraiment trop de nœuds, donc c'est bien, ça donne du volume, mais bon moi voilà, je suis pas fan. Donc en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures du quotidien et mes conseils et mes bons plans, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine